Pas un pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué! Non! Non, 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 non! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi! Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter! Sophia! Arrête! Père! Tu vois où est la vieille radio? Va réparer le générateur. Il faut qu'on puisse transmettre le message aux autres colonies, qu'elles sachent ce qui nous menace. Je vais faire de mon mieux. Vous deux, il nous faut des yeux braqués sur la vallée. Placez-vous sur les falaises et faites le guet. Prévenez-moi à l'instant où vous verrez leurs hélicoptères. Ok, c'est compris. Si on voit quoi que ce soit, on fera sonner la corde. Dieu vous protège. Ce vase devait être magnifique avant. Mais quelqu'un y a percé des trous et l'a rempli de terre. Il devait sûrement y faire pousser des plantes. On doit les empêcher d'approcher la tour de l'Acropole, quel qu'en soit le prix. On va conduire les familles dans les catacombes. Mais il faut qu'on réussisse à contenir les combats ici, de ce côté de la vallée. Sophia et ses guerriers ont déjà combattu les envahisseurs. Selon elle, ils sont bien équipés. Oui, mais nous sommes chez nous. Nous allons nous servir des ruines et des bois à notre avantage. J'espère de tout cœur que tu as raison. Ils ont des hélicoptères. Il faut s'attendre à ce qu'ils arrivent. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les Trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque, s'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien. Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience.
Il me faut plus de bois pour le feu. Ils ont presque tout utilisé pour réparer les tours de garde. Il va falloir qu'on se débrouille avec ce qui reste. Ils ont besoin de têtes de flèche pour se battre. Il faut me donner plus de bois. J'en ai déjà coupé pas mal. Et puis, je ne sais pas combien de temps il te reste pour forger. Les têtes pointues, c'est plus rapide à faire que les têtes lâches. On devrait se concentrer là-dessus. Ça y est. Ça parle d'une chose qui est cachée. Je vais manquer de gaz pour le chalumeau. Je dois pouvoir faire encore 4 plaques pour les barricades, 5 au maximum. Après, il faudra que je fasse le plein. Ça va pas être facile. J'ai traîné les dernières bonbonnes depuis la prison soviétique il y a déjà plusieurs années. Quand tu seras à court, il ne te restera plus que le marteau et le burin. Il doit bien y avoir un autre moyen. Les soviétiques ont tout laissé sur place. On a passé 2 jours entiers à ratisser ces vieux bâtiments. Il n'y a pas d'autres bonbonnes. T'en fais pas. Ça va te plaire, le burin. C'est jamais à court. Salutations. Vous êtes l'hôte de Jacob. Si ça vous dit, ceux qui réparent les tours de garde au bas du sentier ont besoin d'aide. Sans vouloir vous vexer, hein. C'est juste que vous n'avez pas le profil pour vous servir d'une enclume. Jacob nous a dit que vous l'aviez sorti de la prison. C'était un travail d'équipe. Quoi que vous ayez fait, nous vous sommes redevables. On ne va pas cracher sur une paire de bras supplémentaires pour nous aider. C'est juste qu'on n'est pas habitué à avoir de la visite. Comment se passe la découpe ? C'est lent. Je dois être minutieuse. La rouille a fait des dégâts. On aurait dû garder ce métal au sec pendant la saison des pluies. Grâce à ces plaques, on a pu empêcher l'eau de traverser le toit l'année dernière au moment des grandes pluies. Fais ce que tu peux. Encore un hiver d'hiver. Être mieux préparé. On savait que ça arriverait.
Désolé, mais je n'ai pas le temps de discuter. Jacob dit qu'on peut vous faire confiance. Je vous fais donc confiance. Jacob avait dit qu'il s'est jamais complètement remis après les Soviétiques. Aujourd'hui, maintenant ça. Si vous voulez vous rendre utile, vous devriez aller au bas village. Je sais que vous voulez aider, mais il faut que je termine ici. Les soldats ont besoin de nourriture autant qu'ils ont besoin d'armes. Je vous laisse vous concentrer dans ce cas. Salutations. Comment vous avez trouvé cet endroit? Qu'est-ce qui vous amène ici? La guerre approche. On doit se préparer. Les Soviétiques ont tout abandonné quand on les a chassés. Il s'agit principalement de déchets, mais on peut encore tomber sur de drôles de trésors.
Salutations. Plus de bois pour le feu. Ils ont presque tout utilisé pour réparer les tours de garde. Il va falloir qu'on se débrouille avec ce qui reste. Ils ont besoin de têtes de flèche pour se battre. Il faut me donner plus de bois. J'en ai déjà coupé pas mal. Et puis, je ne sais pas combien de temps il te reste pour forger. Les têtes pointues sont plus rapides à faire que les têtes larges. On devrait se concentrer là-dessus. Je vais manquer de gaz pour le chalumeau. Je dois pouvoir faire encore 4 plaques pour les barricades, 5 au maximum. Après, il faudra que je fasse le plein. Ça va pas être facile. J'ai traîné les dernières bonbonnes depuis la prison soviétique il y a déjà plusieurs années. Quand tu seras à court, il ne te restera plus que le marteau et le burin. Il doit bien y avoir un autre moyen. Les soviétiques ont toujours la surface. On a passé 2 jours entiers à ratisser ces vieux bâtiments. Il n'y a pas d'autres bonbonnes. T'en fais pas. Ça va te plaire, le burin. Si jamais à toi.
J'essaie de réparer la structure. Tu veux que tout s'écroule au moindre coup de vent? Ouvre l'œil, Cromwell. Comme ça. Bien le monde. Que... L'incendie fait... Oh. Bonjour. Désolé, mais je ne peux pas vous aider pour l'instant. Il faut que je répare ce générateur pour qu'on puisse envoyer un message aux autres colonies. Je vais voir si je peux me rendre utile ailleurs. Il me faut plus de clous, sinon je ne vais pas pouvoir t'arriver. Je peux en récupérer dans les vieilles cabanes, celles qu'on n'utilise plus. Faites attention, s'il vous plaît. Il m'en faut juste c'est le dernier des vieux émetteurs qui marche encore. Plus possible de quelques flèches avant qu'il n'arrive. Je préfère encore manquer de clous. À toi. Hein? Si reculé. C'est pourtant si beau. J'avais promis de les garder en lieu sûr. Qu'est-ce que j'en ai fait? On aurait dû être mieux préparés. On savait que ça arriverait. Assez. Faut qu'on fasse 100. Où là-bas ? On a besoin d'aide si vous êtes là pour ça. Comment vous avez trouvé cet endroit ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? La guerre approche. On doit se préparer. Les soviétiques ont tout abandonné quand on les a chassés. Il s'agit principalement de déchets. Mais on peut encore tomber sur de drôles de trésors. On manque de main-d'œuvre, il y a beaucoup à faire. Je suis venu aider. Qu'est-ce que je peux faire ? On essaie de fortifier le plus de tours possible. La plupart ont été endommagées par les inondations de l'an dernier. Les réparations avancent bien. Mais j'ai besoin de matériel supplémentaire dans la vallée. Si on parvient à réparer ces tours, on aura l'avantage sur les envahisseurs. Et ça nous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs des ruines. Vous voulez bien nous aider ? Je vais voir ce que je peux trouver. Merci. Ramenez-les-moi quand vous les aurez trouvés. Jeunes gens.
Il doit y avoir quelque chose par là. Incroyable. Cette architecture est antérieure à la naissance de l'Église orthodoxe. Qu'est-ce qu'il faisait ici ? Une boucle de ceinture en or. À la fois belle, résistante et pratique. Elle faisait partie d'un uniforme militaire. J'ai laissé ma femme.
Il faut que je relie ce poids à la plateforme, on dirait. Collier en or. Le niveau de détail est incroyable. L'artiste qui l'a fait était aussi doué que ceux de l'Empire. Parfaitement conservé. Ugh!
devrait tenir. Je dois juste trouver un moyen de monter. Nous souffrons de notre isolement. Vieux codex. On dirait un traité sur les liens entre le corps et l'esprit.
suis navré que Sophia vous ait fait mauvais accueil. Je comprends. Contente que vous ayez été là pour vous porter garant. Mon peuple a passé des décennies à repousser des étrangers. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Voyez si vous pouvez participer aux préparatifs. Votre aide pourrait jeter les bases d'une relation de confiance. Je vais voir ce que je peux faire.